Sunday morning I felt the parade. Someone leaving in the world today. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais préparer des cookies noisettes et chocolat en couleur. Donc il faut que je rajoute 150 g de beurre ramolli et un œuf. Voilà, donc je reviens vers vous juste après. Alors je viens de mettre les préparations dans mon petit saladier, le beurre, l'œuf et donc je vais tout mélanger. Donc j'ai mélangé, donc bien sûr avec les mains, parce qu'il faut bien mélanger à la main, comme si vous pétrissez en fait pour faire un pain. Donc bien sûr, bien avant, il faut bien saver les mains. Donc là, avec l'aide de 2 cuillères, je vais faire donc mes cookies et je vous montre juste après. Donc là en fait, je vous montre, j'ai fait des petites boules comme ceci. Et après, avec un verre ou autre, je vais aplatir, voilà. Alors par contre je vais couper parce que alors, il faut que je me serre du couteau pour pouvoir. Alors attendez, j'espère que vous allez voir. Il n'est pas évident de filmer avec le portable. Donc voilà, avec le couteau, hop. Voilà, moi j'ai mis un petit peu de crasse sur le fond du verre pour que ça se décolle, mais bon. Voilà. Voilà, voilà. Ça mon petit cookies. Et je vais continuer. Enfin, pour faire toutes les cookies. Alors voilà les cookies, ça y est, ils sont cuits et la couleur est restée sur les petits bonbons parce qu'une fois j'avais acheté des petits trucs pour mettre comme ça et c'était tout décoloré, ça avait tout fondu. Donc voilà mes petits cookies. Bon, ils sont encore chauds, on goûtera quand ils seront bien froids. Voilà, j'ai mis donc la deuxième tournée dans le four. Voilà, voilà. Voilà, donc je suis très contente, ça a l'air bon. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la dégustation. Coucou, voilà, mes cookies, voilà, ils sont finis. Voici donc, voilà, mes beaux petits cookies. Je vais demander à Étienne s'il a aimé, parce qu'il en a mangé. Donc, je vais lui demander. Alors, Étienne, je sais que tu as goûté aux cookies. Oui. Alors, dis-moi, est-ce qu'ils étaient bons? C'était bon, alors ouais, bon. Normal, bon, très bon. J'irais très bon, ça mérite franchement. Ça change des gâteaux qu'on achète en magasin, c'était vraiment... Oui, c'était très très bon. Oui. Ok, merci. Alors, Pierre, je sais que tu as été manger les cookies, hein? Oui. Alors ouais, ils étaient vraiment très bons, hein. Ouais, j'ai vraiment adoré, quoi. Ils sont vraiment meilleurs que les gâteaux classiques. C'est vrai. Tu dis pas ça pour faire plaisir. Non, tu me connais, attends. Ok. Bon, que je te remercie pour ton petit commentaire. Okay. Merci. Donc, voilà. En effet, ils sont vraiment délicieux. Donc, n'hésitez pas à commander. Voilà. En plus, à partir d'une certaine somme d'achat, je vous ferai un cadeau surprise. Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire ou en MP. Voilà, à bientôt. Bisous. Nous allons donc passer à la dégustation des cookies que j'ai donc fait. Mmh. Donc voilà les cookies. Allons-y, goûtons. Très bon. Ah oui, c'est bon. Hein. Mmh. C'est vraiment des bons gâteaux. Hein. C'est pas des gâteaux qu'on achète dans les magasins. Mmh. On va essayer un jour avec du chocolat dedans. Mmh. Celui-là, c'est à la noisette, avec des petites pépites de couleur. Mmh. Ah ouais, c'est bon. Bien mouillé. Oui. Ah, voilà. C'était donc les cookies choco-noisette avec des petites pépites de couleur. Donc, si vous voulez la recette, contactez-moi. À bientôt.